Chez Gisèle et Jean-Paul, ce sont les enfants qui font la loi à la maison. J'ai peur de rentrer chez moi, ça. J'ai peur de rentrer chez moi parce que j'ai peur de me faire agresser par mes propres enfants. Et ces deux tourtereaux n'en peuvent plus. Enfin, surtout Gisèle. J'en ai ras le bol de les voir tous les matins et tout. Mais maman. Oh, ferme-la! Dégage, Michel! Alors lui, c'est le pire. Et comme souvent, Jean-Paul craque. Il est grand temps que je vienne en aide à cette famille. Aïe! Super Tati décide donc de leur venir en aide. Dans la famille Gauthier, il y a Jean-Paul, Gisèle, Lily, Brad, Michel et Scooby-Doo. Bon, il me semble que c'est ici. Bonjour le chien. Elle fait très vite la connaissance des enfants, du père et enfin de la mère. Vous devez être là. Pourquoi la mère, c'est avec la mouche? D'accord, ok. Va faire la bouffe, toi, au lieu de rien foutre comme ça. Il est l'heure de passer à table. Et Super Tati n'est pas au bout de ses surprises. On bouffe tout le temps, même plus. Oh, Michel, tu parles pas comme ça, j'insiste. Pourquoi t'as droit à bouffer chez le voisin? En plus, t'as les petits Africains. Et c'est toi, les petits Africains, ils bouffent rien. Toi, t'as des chips, déjà. Des chips, c'est déjà pas mal. Non, mais oh. Quand tout à coup... Est-ce que c'est normal, madame, de laisser manger son fils à table debout? Ah ouais, j'ai une question. Est-ce que c'est normal, madame, de nous faire chier quand on mange? Ah! La nuit est à peine tombée qu'une autre querelle est en train d'exploser entre Gisèle et Lily concernant une boîte de chocolat. De toute façon, t'es pas belle. Gisèle, t'es pas belle, espèce de gros lard! À la mayonnaise, y'en a. Mais qu'est-ce que... Jeune fille, redescends, s'il te plaît. Lily, viens là. Monsieur, merci, ça va. On n'a pas besoin de votre aide, je m'en charge. Recule. Donne-moi ta main. Nous allons voir ta mère. Madame, sur quel ton avez-vous parlé à votre fille? Pas normal. Non, vous ne lui avez pas parlé normalement. Ce n'est pas un animal, madame. Oh oui, mais elle est chiante aussi. Elle n'est pas chiante, elle voulait seulement des chocolats. Bah oui, mais elle en veut que quand j'en prends. Parce que faire pareil. Vous êtes sous modèle. Non, mais c'est un club, ça. C'est... Je... Madame, présentez vos excuses. Non. Très bien. Jeune fille, nous allons nous coucher. Je vais te porter comme il se doit. Voilà. Bonne nuit, ma puce. C'est bon, elle s'est endormie. Bon, la journée a été un petit peu turbulente pour elle et ça a été mouvementé, mais là, je pense que c'est bon. Elle est en train de dormir. Il faut maintenant que je me calme et que je vois comment procéder dans tout ça. Ça va être très, très difficile. Bonsoir, messieurs, dames. Je viens pour le débriefing. Elle est pas bien, celle-là. Si, je suis très bien, madame. Oh, j'ai vu des choses ce soir. Épouvantable. Mon mari, c'est ça? Non, pas votre mari, ce n'est pas drôle, madame. Merci, monsieur. Madame, vous n'avez jamais reçu la moindre éducation. Essayez. Vous parlez à vos enfants comme vous parlez à des animaux. Ils font n'importe quoi car vous faites n'importe quoi. Oh, allez. Monsieur, vous êtes en retrait, toujours en soumis. Vous ne faites rien, il faut prendre les dessus. Vous êtes l'homme de la maison, aidez madame. Ayez des couilles, une paire de couilles. Voilà. Oh, non, elle monsieur, comme je vous l'ai dit. Oui, désolé, elle va dormir maintenant. D'accord. Comme je vous l'ai dit. Il faut prendre les devants, arrêter d'être soumis. Vous avez un beau corps, vous avez des belles dents, il faut aller de l'avant. Bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit. Monsieur, bonne nuit. Vous éteindrez la lumière en partant. Oui. À demain. Le lendemain, Super Tati est de retour à la maison. Non, non, pas, 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 pas,
suis là. Ah, un petit cadeau pour vous. De ma part. De la part de la famille. Ah, si, c'est très... Bah, entrez, je vous en prie. Pardon. Prends pas ma petite princesse, tu vas bien? Où est Bradley, JP? Ah, je l'ai puni. Ah, bravo, très bien. Très, très bien. Avec ton frère, tu m'énerves. Sous-merde. Tout à coup, une visite inattendue. Tata. Oh, bah alors ça. Oh, bah, salut ma chérie, ça va? Bah oui, ma petite Lulu, Lily. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oh, bah, bizarre la télé, enchantée. Il est 12h30, Gisèle vient de se lever. C'est aussi que vous arrivez. Ah, bah, me faites pas chier, vous m'avez réveillé. Je serai encore au pieu si on vient. Ah, bah, ma soeur adorée, mais comment tu fais ça là? Ça fait 2 ans qu'on t'est pas vu. Ça fait 2 ans que tu bois les euros. Ben non, mais c'est pas vrai, Baptiste. Attends, tu viens pour la télé, c'est ça? Ah, colasse. On dirait que Gisèle s'est levée du pied gauche ce midi. Madame, la première chose à faire dès le matin, c'est de dire bonjour à ses enfants, bonjour à son mari. Comment as-tu passé ta nuit? As-tu fait... Oh, c'est bon, matin. Vous êtes là pour... Eh bien, on voit d'où vient le problème. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Non, ça va, merci, ça va. Il est temps pour Super Tati de mettre en place les nouvelles règles. Il y a des règles pour les enfants et des règles pour la maman. Mais pourquoi j'ai 3 faits, moi? Et j'en ai beaucoup trop. C'est à vous de changer, à vous et à vous seul, pour pouvoir faire changer vos enfants. Oh, c'est chiant ici. Le problème, c'est vous, madame. Le problème, c'est vous, madame. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez pas tout de suite. Je ne suis pas là pour jouer un jeu d'enfant, madame. Je ne suis pas là pour jouer un jeu d'enfant, madame. Vous pouvez répéter autant que vous voulez. Je parle, je m'en fiche. Vous n'avez pas reçu l'éducation. Ce n'est pas la faute. Moi, j'ai reçu une éducation. Moi, j'ai eu une éducation. Voilà mon éducation dans les cœurs. Gisèle n'en peut plus de toutes ces règles et se met à exploser. Je n'arrive pas de le soir. Je n'arrive pas de le soir. Arrête-moi. T'attrape l'eau. Alors vous sortez de chez moi. Gisèle, non. Vous sortez de chez moi. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Regarde ça. Dégueulasse. Et vous aussi, vous sortez. Dégagez d'ici, je peux te faire caméra de merde.